prise de parole d'un responsable d'une quelconque institution. Encore moins le comptage du quorum. Exactement, parce qu'il ne s'agit pas d'une cérémonie parlementaire, nous n'allons cesser de le rappeler. Il ne s'agit pas ici d'une séance parlementaire, il ne s'agit pas non plus d'un congrès. La salle symbolise simplement la représentation nationale. Étant donné que la Constitution donne le devoir aux nouveaux assermentés d'être présentés à la nation, c'est pourquoi ils sont ici, pour être présentés à la nation à travers la représentation nationale. Et ceux qui nous représentent sont là, vous les avez vus, dans leur tenue d'apparat, députés et sénateurs, sont ici devant le corps constitué, devant également tous les compatriotes. Ceux qui ont eu le bonheur de prendre place ici sont là, et tous les autres sont en dehors, ou également des écrans géants ont été déployés pour que personne ne puisse rater cette cérémonie. Nous disons donc que le protocole d'État organisateur de cette cérémonie n'a rien, et que toutes les arrivées et tous. Aujourd'hui, le président à son rang, il est le symbole de la nation, et c'est la seule institution, d'ailleurs, la présidente de la République, c'est la seule personne par le président de la République. Alors qu'au niveau des autres institutions, il y a la représentation, mais ici, le président de la République, il est seul, c'est l'institution, président de la République, c'est lui qui reçoit, lui et lui seul qui reçoit le serment. Il va en prendre acte et il ne partage pas cette prérogative constitutionnelle avec une autre quelconque institution, et cela est donc clair, et c'est dans nos us et coutumes. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde aujourd'hui la tribune d'honneur, il n'y a qu'un fauteuil, c'est le fauteuil du président de la République, et en face il y a les drapeaux nationaux. C'est là où les trois nominés, les trois juges constitutionnels, vont prêter serment tel que prévu par la loi. Donc, c'est là l'ambiance qu'il y a ici, à l'intérieur comme aux abords du Palais du Peuple. L'ambiance est donc électrique. C'est pour sceller, hein, pour sceller cet épilogue de ce processus de réforme qu'avait entamé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon J.R. Diakiadi, qui réalise pour nous cette grande cérémonie de prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre de par le monde, de la France, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, et pratiquement là où se trouve toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo, il y a des écrans, tout le monde est en train de suivre cette importante cérémonie, et même à travers la ville de Kinshasa dans les provinces, il y a des écrans géants qui sont dressés, et pour permettre aux nombreux téléspectateurs de la RTNC de suivre cette importante cérémonie. Mami Mambouini. Matondo mingi blaze bokokia ya solo balandi ba radio télévision nationale congolaise. Vous allez se kokoba. Ah, on a parlé du peuple mingi penza okomini ya lingwala. Wa pe pa yi milulu ya kafu kafu e ko salema. Ils ali bongo bazuzi ya likolo to pe bazuzi ya cour constitutionnelle. O mo kambi ya ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye a pono ki bango o mo kanda mobeko uta sanza ya sambo zalaka penza o mia zoka sambo. Manaka ma radio télévision nationale congolaise olenge milulu mikosalema awa au palais du peuple olekoto kolobana bino ezala libanda ya palais du peuple bato bayike ba etuluku ya bato penza bayei mpona kosepela elongo pamba te oleko eye mokambi ya kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki bongo ebonga ya bokambi République démocratique ya Congo eloko yango atalisaki na bana somi ekolo Congo démocratique ete alingi ete kolo ya biso ekota penza omolongo ya état de droit. Tonyonso asengeli
na se ya mibeko pamba te mibeko ezalinde eloko o ezalili kondi ya onde ekotombo la kamboka soki boka zaina mibeko te mboka o ena ekozala ya kokufa na yango bo sembo pe lokola ezali edikondi o ekotombo la kamboka soki bo sembo ezali na mbilinga mbilinga kokomona ete mboka ekotombo la malamu te na tina ena mokambi ya kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye apono ki bongo ne bazuzi ba ma ba ba kosala musamo bango malamo ba ba ndenge ka ba kosala musamo bosembo o mabele ba République démocratique ya Congo ikozala ete soki moto asali mbeba abongi na etumbu esengeli ye azwa etumbu bo esengeli soki pe moto asali mbeba te abongi na ye na etumbu te bakotika moto wana na yango mokambi ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete ya solo ekolo ya biso eyingela mpenza ekota na bozindo na likambo litali état de droit asengeli kozala ose ya mobeko na bokumbi na bino ete mokambi ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye atyaka nzongoloko omokanda mobeko oyo apoloki bazuzi bana basika bazali basato kati na bango mama moko Alphonsine Kaloubwe e Dieudonné Kaloba mpe Kamolete Badibanga bango de basato baye tata mokonzi ekolo aponi mpo ya bosali mosama bango ya bazuzi ya likolo to mpe na cour constitutionnelle parce que bate kati ya cour constitutionnelle ozalaka mpokola bakambi libwa kati na bakambi libwa baye basato bango bakoponamaka na mokambi ya ekolo basato basusu bakoponamaka na parlement to mpe assemblée nationale basato basusu bakoponamaka na lisanga ya bazuzi ya likolo to mpe conseil suprême ya magistrature mansomana ezali se po ete bosembo ya ekolo ya biso ekokoma bosembo ya ekolo ya biso etambola makambo alima moto nyonso oyo akosala mbeba ayeba te etumbu ezali kozela ye mpe moto oyo akosala mabe te akotambola na bo alima Ils ont une très mauvaise volonté na makambo ezoleka na Congo. Ils ont une très mauvaise volonté ya kobongisa mboka. Bango bazali kaka na objectif moko oyo ezali ke bango batika na pouvoir, bazwa contrôle ya institution, bazwa contrôle ya finance, bazwa contrôle ya mboka, babimisa Félix Tshisekedi lokola joue na bango lokola marionnette. Na lingi na lobelo omona peuple congolais oyo sozolanda biso sikoyo. Totika no makambo ba division, totika makambo ya fanatisme, totika makambo ya buzoba. Nous sommes tous contre l'action au chef de l'État, salaki ya kobenga bato wana ba partenaire. Toyebisa ki ye ki bazaba partenaire te. Mais ce botali pe bomoni réaction ya sikoyo loko président Félix azokosala, azolakisa biso ete bandeko na ngai bolimbisa ngai na yoki sikoyo na telemi mpona bino, bino pe botelema mpona ekolo na biso. Oyo ezali RT ya koloba ke tofandi tozotala bango, bango na bango bazobomana, bango na bango bazokobebisana. Eza R wala te. Oyo ezali R ya kotelema ya koloba ete ndenge eza wana bato ya FCC bason balongwa bakende place bango bauta. Nasengeli moni ete bozali koyokanga malamu. Rwanda na motango boke mokambi ekolo akokoma mpo ebofungo libongo lululumi na ye bokati to mpe bolapi ndayi to mpe seleka ya bazuzi ya cour constitutionnelle Blaise Bokopia na banzi maloba nazobiseli yo mpo ya Nous saluons la présence de quelques gouverneurs de province ici présents à Kinshasa, Atou Matubwana de la province du Congo central, Monsieur Maweja de la province du Kassai oriental, Jean-Claude Mvwemba, le nouveau président de l'Assemblée provinciale. Et Zali koyoka makamonzo leka ndeko na biso délice sanga yo na bozomona ye na kati ya sala tumoni ba député ba lati ba signo na bango ya ba député tumoni ba sénateur ba lingaka mboka ba lati biloko na bango ya ba sénateur ba ye wana pona ko honorer justice ya mboka na biso tolobe pai tolobe pe pai ba o bazo boya ete président changer ba juge ya cour constitutionnelle te bango bazo ko lingande ete ba juge ya cour constitutionnelle o Kabila aponaki o bazalaki na côté ya Kabila o Lambert Mende ebisa ibiso bango batikala polo biso ma ponami salemi bango ba bimesu baloba ete mototel azui te liste uta na kingakati toboyi yango bango balingi nde ete mopaya aza na contrôle ya justice na biso parce que mopaya nde Kabila aza mopaya aza Rwande Rubego aza mopaya aza Rwande C'est-à-dire, yo Congolais ont tel massima ya mopaya lokola Kabila, mopaya lokola Rubero, pona koloba ete président Tosi Mibeko ya constitution te. Bi ya so ke batole so bazaba pa. Boyebi ya solo te bazaba pa ya. Boyebi pe ya solo ete
Donc, on continue Kolanda. Que pour les hommes en uniforme, Godé et Kabundi. Parce que la way to blaze Bokoki Sanza, Tribika Tujadikila, Bana, Bamwen Kong, bon, Subarika Batulonda, Monsu Bumunena, ou Palais du Peuple Boissé, Nkatia, Mouazan pour le Lukanda, Vlawa Mujimbi, Mukokula Kuyukan, Tombo, la Diva Jimbella, Moufana, Walou Fambokabo, Félix Antoine, Tiseke de Chilombo, vous mettez la Mouchindo, Wakuita Bouja Babantu Basato, Vika la Mouchindo, Wakuika la Bouba Juge, Bamoukou Constitutionnel, Alphonsine Kaloubwe, ou Jimikala Mamou, pa moni job donné Kaluba tatu ni kamulete badibanga bobwaba mbavu mbajini chaku chipacheleka lelwewu kumpala kwa mintuta ni mintuta ya bantu mbakunu jadikira kwa se bobwaba bilonde chela tubeji tubutu kala tuela koluseka lo conseil supérieur de la magistrature bobwaba basombre bika la basungula bafila ku mfumo wa ditunga umuntu mushindo wakubita buja nanku bobwaba bavodika la umuntu mushindo wa kuikala binji la jitu kuni jiba jikala mchakuma na mshindo wa kwenza kaji chenu makumana muke na mkamping jiji ni nushati kila kwasi kuruseka lwa nyinjini Gilbert Chimanga yeya umo wako wapa basombele vika la basombela kumputu baribika la batua Felix Antoine Tisekedi Chilombo nyamba kumikolo tatu tulibika la batu ilana mwabewu uribu mwana mwunyi wa chibilo chalelu jisa kajabuni mkalenga lelu lelu kwa kumona buni wabantu bajibalo na shemema mwungu ya nyinji ngeza na ile kidogo siku kujale lugo kulo ni makasale abiji kujumwenena ni kutoa fumu wetu adutunga na mamumi kolo bwani ngiti jina yeye ngiti yetu boss ngiti ulonga na ile betu basha na kuka da kalu le kale di to no tungu kabu ngiti tulonga na to no mtu tupete empire mo wetu mtu totalite wen kimukeju ni namu ngiti kujale basi kila kani tu dushari kila bwase kulu seka lo hapa bali pafika mwabeu kujimuvena wa Kasai Oriental Jean Maweja Muteba urumwe kala mwana mshindo wa kujishukila kenda ni mufika mwabeo ni mukuvernora wa kuluseka wa Kasai Oriental mungu jimai mbateka ekran jeyan wani bana ba mwene kongo boso basa nyi mkuluseke ba muna mwakulonda tunushadi kile kwase badiba tubikile kuji Franklin Eclair kalumbu wa batanda kuluseka wa chikapuwa mansamba urumwe kala vendu ushadi kile kwase wakaka kwenye mchi nijani bosu badibi kala basomba wakumu wana mshindu gintombo kala jipa jimbele Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uitabuja jichipa jachele ja ababa satu badika la bambu na mshindu kwa kwenzi chena mwa chenda nchini kache wabwela mwabu kalenga buwende chini mchijima ni ngondo pa mtu ande ujibu nao kudi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujianu wakumu wana mshindu wakusombesha bukalenga kusombesha bukalenga nchini bukalenga bukalenga mbandu mbula bilumu bidibi kikala ni justice mkumbana ikala munda mwaditunga baju mwanga tansu buwabeni wekele maidu mwanga tansu buwabeni baju mwenye mkulufangu lwebe mwwele mwujil wekele maidu mwwele mwujil mwabalondo shololo mtu ni mtu kaku ye udi wame nito meme njingu uven kaku ye udi wame nito meme njiburu kumesir mtu yonzu ikele mwumanya ni chenda nchenda chabenda nchabenda chambula mataji nchambula mataji kibualu kayu juji nga se bidibi kengele mtu ni mtu yonzu ikiteka pakaba kenda ni bandumbu lulabilumu benze buwase bukalenga buwajitunga bumwona mwakwikala buyapa abulumu mudimatunga makuwabu mende shalumu buwase jitunga jakongo demokratik kajivujikala ni justice ujukumbana to kajibu alelu mujinga buwase mumbi jimu yosu jenze kibualu kaya nubita jimuerese tangila ipambelu pa pale di peple bantu mbetu labunji mtu ndu ningenena munda mudibanguwe na bama province makuwabu muji ba depite ba muchimenga cha Kinshasa baribika laba sangu nyingu mwine mwabewu uji bena matanda manena bafu mba matanda baribika la mwabewu ku konstitusionel izida wa cour de cassation bonsu baribika la basanga nyingu wani mwabewu kwa nyingu mwana se mwune na wajetu ditanda jabandu bakuji kabila ilunga uji mwana mshindu waku mobilize anyi teka kwa se RTNC biyamo biende biyosu bikala munda mwapale di peplo mwakuma na mshindu wakweza buwase mijimu yenzeka mjubika la bikengejibwa mutu tunu jarikila buwase mune na wetu jolino makelele ujumika la kabiyana muzu wapale di peplo unyunguru kwa wakuni tangitile se ababenda bajibika la benza mjimu kai kalumba njikuli jolino makelele ujumika la mshindu wakweza ertense enza mjimu biyakana hamwani bende tuji wamba tuku wabu tosu tunu jarikila nukwase jitu kujalelo njitu kujase wakushala wabula wachini kwa nukwase njitu kudivubamba se mwene mjimu wakafuwa mkalenga wendi mbakwamba bidibi kengele mtu ni mtu yosu ikele mumanyi chijiweza mtu mwaditu mjakongo demokratik mtu
muntu ababa libikala kaba ibamanyese mbula matati kiutunga jikala koko ikala mwanyi chidi wenzachi tachele chimpanashi nanku nitonji kumura mshindu wa kumilamata nini tupinga ja chiko luko lukuji wetu Blaise Buko Kisanza wamu mshindu wakuno mvuija viko wabukumpala kwa mfumu wadi tunga Felix Antoine tombolo kala jipa kimbele kumpala wakubela imuzu mune na wapale di peple. Merci beaucoup de Kabundi pour le compte de la langue Tshiluba ici au niveau du Palais du Peuple pour la retransmission en direct de la cérémonie de prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Nous l'avions dit au début de notre intervention, cette importante cérémonie sera présidée par le chef, le magistrat suprême, le garant de la nation, le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aviez bien compris, c'est monsieur si présent de pouvoir secourir un des invités en difficulté dans les halls du Palais du Peuple. Vous aviez bien compris, très chers téléspectateurs, ce message du protocole d'État en train de demander les spécialistes, les médecins ou les infirmiers pour secourir les gens. C'est tout à fait normal. Hein? Ici, dans la salle est archicom. Et dehors, au niveau du balcon, il y a beaucoup de gens, il n'y a plus de place. Dehors, il y a beaucoup, il n'y a plus de place. Les gens se bousculent. Les protocoles est parfois, et même la sécurité est parfois dépassée. Et pour essayer un peu de canaliser les choses, mais... ils sont en train de s'y atteler pour qu'il n'y ait pas de débordement. Monsieur, nous recevons à son excellence monsieur le ministre d'État, ministre de la communication et des médias, Jolino Makelele, qui est ici présent et qui fait partie du gouvernement Ilunkamba et qui fait partie de la délégation gouvernementale ici présente au niveau du palais du peuple. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quelle valeur juridique donnez-vous à cette cérémonie? Je dois vous dire d'abord que le président de la République, c'est un légaliste. Et tout ce qu'il pose comme acte sont des actes posés sous le sein de la légalité. L'état des droits qu'il n'a cessé de prôner, c'est un état des droits qui est un état véritablement de droit. Et donc, lorsqu'il prend des mesures, lorsqu'il passe à l'action, soyez assurés que ce sont des postures inattaquables en droit. Et en l'espèce, il a été décidé que les juges... Le juge ayant quitté la Cour constitutionnelle pour rejoindre la Cour des cassations, il était tout à fait normal qu'il fût remplacé par d'autres. Et c'est ce à quoi il s'est attelé en veillant à ce que la procédure en la matière soit respectée. Et pour le surplus, je crois qu'aujourd'hui, c'est la prestation des serments, conformément à notre constitution et à la loi organique régissant la Cour constitutionnelle. On peut donc pas s'attendre à ce qu'il y ait des méli-mélos, des comportements particuliers de la part de je ne sais qui se sentiraient lésés. Nous sommes ici ensuite dans l'enceinte du Parlement où il est clairement dit que le président de la République reçoit le serment des juges constitutionnels devant les députés, devant le Parlement et devant les sénateurs. C'est le président de la République qui reçoit ce serment-là. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions à la matière. Et donc, tous ceux qui viennent, certes, ce sont des corps, ce sont des institutions, mais nous pensons que nous n'allons pas, transvertir la vérité en disant que le serment est reçu par le chef de l'État. Et c'est ce qu'il sera, c'est ce qu'il fera tout à l'heure. Monsieur le ministre, ici dans la salle est pleine comme un œuf. Au balcon, il n'y a plus de place. Dehors, il y a une forte délégation de la population qui est venue, nombreux, pour assister à cette importante cérémonie. Est-ce que vous vous y attendez? Non, nous nous y attendons parce que nous savons que tout ce que nous faisons, c'est sous le sceau de la... Le peuple est là derrière nous et donc nous n'avions pas de doute fantastique. Monsieur, merci. Mes chers téléspectateurs, habitués à ce genre de cérémonie, les motards éclaireurs, grâce à la caméra de Jiren Skelani, annoncent d'aller bien l'arrivée ici au Palais du Peuple du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
qui se trouve présentement sur le boulevard Triomphal et a pris dans la direction du palais du peuple où il sera certainement accueilli par un comité restreint. Regardez, la Jeep présidentielle est là. La cérémonie va devoir commencer d'un moment à l'autre. Le détachement de la garde républicaine est là. La fanfare également. L'officier qui va rendre les honneurs au garant de la nation, magistrat suprême, est déjà pointé. Le comité d'accueil est là. Donc bientôt, ça sera le début de la cérémonie jusqu'à Kusema. Effectivement, le président de la République va bientôt descendre de son véhicule officiel pour recevoir les honneurs que vont lui donner le détachement d'honneur de la garde républicaine. Et comme vous le constatez, il y a bel et bien un comité restreint d'accueil qui est là pour recevoir le président de la République qui vient de faire son entrée ici à l'enclos du palais du peuple, chef du Parlement. Il est 11h15, c'est l'heure de Kinshasa, 12h15 pour toutes les provinces de l'Est du pays. Le président de la République est là, il est accueilli par ce comité restreint d'accueil. On reconnaît la bourgmestre de la commune de Lingala, le chef d'état-major général de la garde républicaine. Voilà, le président de la République, il va recevoir Blaise Bokoka des honneurs complets. C'est-à-dire que l'hymne national va retentir, il va passer les troupes à revue, il va prendre la marche pour faire son entrée et venir présider la cérémonie. En ce qui concerne le... Le chef de l'État va devoir arriver là où se trouve le détachement d'honneur de la garde républicaine. C'est ce qui est fait. Il traverse le détachement d'honneur, très cher téléspectateur. D'un moment à l'autre, il va s'incliner devant l'étendard de ce corps d'armes et qui est censé appeler à protéger et à sécuriser le président de la République. Voilà, il s'incline
le symbole du pouvoir de la République démocratique du Congo. Alors la question est celle de savoir, Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, va devoir faire son entrée directement ici, au palais, à la grande salle de congrès du palais du peuple, où il va passer par ses bureaux qui sont ici, au palais du peuple, parce que la salle est archi grande, très cher Félix. Il y a beaucoup de temps, les couloirs sont occupés. Je crois que cela permettra à la sécurité, au protocole, de réglementer les choses avant que le chef arrive ici. Voilà, le président qui prend les marches pour certainement accéder au niveau du palais du peuple. Nous allons voir la direction dans laquelle il va prendre. Certainement qu'il va aller momentanément dans ces bureaux qui sont ici au niveau du palais du peuple avant de faire son entrée dans cette salle de congrès jusqu'à Goussema. Oui, suivant ses habitudes, le président de la République va marquer une petite pause. Le temps justement que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il va faire un tour au niveau de son bureau parce qu'il en a ici au palais du peuple. Je crois qu'au niveau du hall, il va aussi être reçu par les trois nominés, par les assermentés du jour, qui pourraient l'accompagner jusqu'à son petit bureau pour quelques instants. L'âge est que le président de la République ne puisse rejoindre l'assistance ici pour donner l'ego de cette cérémonie. Nous pensons qu'il va faire un petit tour en tout cas dans ses bureaux ici. Au niveau du palais du peuple, nous revenons sur le déroulé de la cérémonie pour dire que le protocole d'État qui organise cette cérémonie, voilà. Ainsi que nous l'annoncions, le président de la République est entouré du pouvoir judiciaire pour la photo de famille. Maintenant que les esprits sont faits, c'est la photo du jour. Voilà, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle au complet. Ils sont là et... Voilà, nous parlions tout à l'heure des institutions. Voilà le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga, qui est là. C'est dire que les institutions sont ici. Sami Badibanga est sénateur et il est le premier Sénat. Il représente son institution, comme l'ont fait les autres députés et sénateurs qui sont là. Le président de la République prend la direction de ce bureau, comme nous l'avions dit, pour quelques instants, avant qu'il ne puisse faire son entrée ici, dans la salle de congrès pour cette cérémonie. Merci, Jessica. Certes, nous allons assister dans quelques instants, très chers téléspectateurs, à la cérémonie de prestation de desserrement des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, trois au total, mais les interrogations demeurent sur la nature du desserrement. Sera-t-il individuel ou collectif ? Une chose est sûre et certaine, dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ce serment par le pronom personnel « je », mais au cas où il y a peut-être un problème protocolaire qui va se poser dans la gestion du temps, les « nous », alors les « nous » ne seraient pas exclus, c'est-à-dire voir tous les assermentés prêter serment au même moment, et nous allons certainement le vérifier tout à l'heure. Je suis Tabassélé. Voilà, la salle est électrisée au-delà de députés et sénateurs. Je vais faire le collectif de la salle. Il faut dire que c'est beaucoup bien, députés, sénateurs. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que la nation parle un seul langage. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Ils sont tous là, députés de l'opposition, surtout, ils sont nombreux ici. Donc aujourd'hui, tous, ils disent qu'ils viennent justement pour honorer ces trois juges qui vont aller à la Cour constitutionnelle. Les juges, les membres de la Cour constitutionnelle qui venaient déposer pour la prospérité avec le chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait de poster dehors, ils ont fait leur entrée dans cette salle, juste le temps de s'installer. Et dans quelques instants, le président de la République va devoir faire son entrée dans cette salle. Mais l'ambiance est bon enfant. Mami Mamboui. Patron de Mingi Blaise Bokokia, au Pessim Bamboa Boy, au salle à congrès à Palais du Peuple. Mon camion est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Tilbongotomi à Tamakolomaye, au Kati, à Palais du Peuple. Mingi, vous avez dit qu'on a la Bilili, au Bokomi Boye, à Solo, à Tamboli, à Tapimotame, à Zumi, à Makoumissi,
Observer, le président de la République va devoir visiter.
terminer cette cérémonie de prestation des serments, il va recevoir les serments des trois juges de la Cour constitutionnelle. C'est une compétence que lui donne la République. Et cette cérémonie est organisée justement conformément à tous les esprits pertinents de notre Constitution et particulièrement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour. Vas-y! Vas-y! Excellence, la cérémonie a déjà commencé. Nous vous prions de pouvoir suivre le reste de la cérémonie. Très fort, merci. Excellent.
Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle récemment promus devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame professeure Ntumba Boacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation,
les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près du Conseil d'État, le conseiller à la haute cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose « Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le président de la République selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en 2 ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il sied de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellence, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il vous soit autorisé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne
en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance. Gardez-vous au sol, portez armes, musique, ouvre la voie. Ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18/38 du 14 mai 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désigné sur l'initiative du président de la République daté du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigner sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kalou Badiboua Dieudonné, Madame Kaloumé, Madame Kaloumé Asengo-Cheouzi Alphonsine, Monsieur Kamoulete Badibanga Dieudonné. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1.2 de l'ordonnance numéro 18/038 du 14 mai 2018, sont toutes deux nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3, la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet 2020, fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le Premier ministre, le vice-ministre,
Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongué-Eberendé, directeur de cabinet AI. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalouba Dimoy Dieudonné. Dieudonné est né à Mujimaï le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'Université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctoral de justice constitutionnelle de l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit constitutionnel et administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment La justice constitutionnelle en RDC, deuxième ouvrage Du contentieux constitutionnel en RDC. À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. Kalouba Dimoy Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Moi, Dieudonné, je jure sur l'honneur de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre qu'une activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre présence. Avec le directeur de cabinet.
son serment. Ça sera juste après. Il va devoir regagner sa place. Et la conseillère principale du chef de l'État, en charge de matière juridique et administrative, va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle et pour après décembre devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Poussé. Nous appelons Madame Kaloumé Asseno Cheuzi Alfonsi. Cheuzi Alfonsi est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département des droits et libertés du citoyen en 1987. Elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989, nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamu en 1989, nommée premier substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamu en 1989, nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018, et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. De la unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour, c'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Voilà, Blaise Bokokia, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Oui, madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Oui, on a même une femme, Élisée Maminembwe, oui. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui
parmi le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mamie Mamboué, certainement, ça fait un honneur. Vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple. J'invite Monsieur Kamoulé Kebadi Banga, Dieu donné, à venir se présenter devant la nation. Jusqu'à Kousema, c'est le dernier. Ils sont à 3 au total. Les deux autres viennent de prêter serment. Et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieudonné Kamoneta Badi Banga, comme ceux de nos autres collègues. Lui aussi est présenté devant la nation. C'est par des façons justement que Monsieur Kamoneta Badi Banga, Dieudonné, est né à Mujimaï. Le 10 octobre 1964, il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions Monsieur Kamoneta Badi Banga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieudonné Kamoneta Badi Banga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbales. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbales de prestation de serment. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique
de prestation de serment des membres d'un corps constitutionnel. Alors, la portée du droit, Blaise, la portée du droit, c'est à partir de cet instant, les trois juges qui vont s'ajouter aux six autres pour former le membre d'un corps constitutionnel ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les trois ici, plus les six autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès-verbal de prestation de serment. Procès-verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongolé et Bérindé, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après, 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kalouba Asengo Tchéoussi Alfonsi, M. Kamulete nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dans la teneur suivante. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alfonsi, M. Kamulete Badibanga Dieudonné, et le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongolé Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant Son Excellence, Monsieur Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau.
Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. La cérémonie est terminée. Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette affiche désormais complète. Les 9 membres sont là. La cour permet siéger sans problème. La cérémonie de prestation de serment était présidée tout à l'heure. Devant le chef de l'État, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous dit en tant que pour le téléspectateur et puis nous les annonçons. Je pense que nous avons une souplesse beaucoup plus. Moi, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que Je suis un peu plus de temps. Et de la part de la moto, nous sommes combattés, mon béco, et nous allons prendre la moto, nous sommes éponnés.
Prestation de serment de nouveau juge de la Cour constitutionnelle acté par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, affiche désormais complète et peut valablement siéger pour traiter des matières qui relèvent de ses compétences constitutionnelles pour la gouverne des uns et des autres. La Cour constitutionnelle est le juge électoral des élections présidentielles et législatives nationales en République démocratique du Congo. Le regard sont donc tournés vers la Commission électorale nationale indépendante pour la désignation de ses animateurs ainsi que la révisitation des textes qui régissent la centrale électorale dans notre pays. Et le souhait le plus ardent est de voir les compatriotes congolais et même les politiques mettre de côté ce qui les divise et regarder, privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez et certainement, vous étiez des milliers et de par le monde à suivre cette importante cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême ici au Palais du Peuple. La RTNC, nous ne cesserons jamais à se le dire, chaîne de grands événements qui a apporté une plus-value grâce à la mobilisation de sa logistique et de son personnel dévoué entièrement au service de la nation sous la houlette du directeur général Ernest Ilunga, Kabila Ilunga. Merci à toute l'équipe technique ici présente au Palais du Peuple. Malobi a en la tête. Événement de l'Union, ce sont les